Oh là, il a pris la zip. Oh là là, il a pris la zip. Les deux mecs qui se collent, ça accroche les deux. 46 kills. Là, niveau plaque, il est good. Oh là 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 là. Oh, c'est du poulet snobby. Hein. Oh. Très bon tracking. Il reste appuyé malgré l'alerte maximale. Il y a un mec à droite. Oh là 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 là. Ah ouais, la Razorback, c'est quelque chose. Hein. Il a réalisé 70 kills sur la nouvelle map Vandel. C'est complètement what the fuck. Ça fait de lui le recordman de kills sur cette nouvelle map. Regardez ça, c'est n'importe quoi. Yo, Pegas Man Kill, j'espère que tout va bien. Moi, ça va super. Comme d'habitude, aujourd'hui, les gars, on va réagir à Curect, qui n'est autre que l'ancien recordman de kills sur Rebirth Island à l'époque. Il a réitéré une fois de plus, et cette fois-ci, il a mis la barre très haute, c'est n'importe quoi, 70 kills au total. Vraiment, ce record, il risque pas d'être battu, je vous le dis. Et bref, sans plus attendre, on est parti, let's go. Et voilà les gars, cette fois-ci, on est parti. Contrairement aux précédentes fois, il a une webcam. Il semble qu'à l'époque, il streamait sans cam. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ce mec est australien, non? Il me semble, hein. C'est pour ça qu'il a des bêtes de lobby. Il est à 120 DFOV. Genre manette, hein, comme d'hab, vous connaissez. Bien évidemment, le disclaimer qu'il faut faire avant chaque réaction. Donc, oh, le mec à gauche. Oh, c'était chaud ça. Oh, c'était très chaud ça. Le troisième. Oh là là, c'était très chaud ça. Bien évidemment. Petit disclaimer que je fais à chaque fois que je fais une réaction de record de kill. Vous vous en doutez? S'il fait un record de kill, c'est qu'il a le record du lobby le plus faible. Non, en vrai, forcément, faut être chaud pour le faire. C'est pas donné à tout le monde. Même dans le pire des lobbies, il faut avoir beaucoup de réussite et être très fort. Mais vous en doutez, s'il fait 70 kills, c'est que les mecs sont pas forts. Contre des mecs forts, contre des mecs de son niveau, c'est impossible de faire un 1v4. Et là, il va faire un 1v4 beaucoup de fois, les gars. Il a l'air de bien connaître la map. Oula, attention, le fire. Va se relooter un petit peu, c'est vrai que la P90 elle est pas terrible. Ouais, bah, la Vaznev c'est beaucoup mieux. Là, il est entre deux teams. Oh, il a touché un mec qui est en train de se réanimer. Il n'a pas qu'à le temps, on dirait. Il va prendre son temps. Là en ce moment, je tape une petite DTR là. Non pas inspiré par Curect, hein, d'ailleurs qui stream sur Kick si jamais vous souhaitez le voir. J'ai fait un petit peu de solo quature là ces derniers temps en stream. Bon, sauf que moi je joue pas le matin, enfin je joue pas le matin, je dis ça parce que c'est les bons lobbies sont le matin. Je joue l'après-midi, mais on a quand même réussi à sortir des bonnes petites games, à s'amuser. On a sorti quelques wins, pas beaucoup, hein, parce que franchement les après-midi c'est compliqué. Mais ça entraîne de ouf, et puis franchement, moi la map Vandel, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. J'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal. Je suis pas un grand fan de la map. Trop de bâtiments, trop de corps à corps, dans les petits escaliers et tout, ça me... Ah, ça me stresse carrément. Mais faut avouer que ce nouveau mode de jeu Résurgence permet de faire de la solo quature sur une map où t'as 75 joueurs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Chaque game, c'est une potentielle game à 40 kills. Alors que sur Ashika, faire 40 kills, c'est compliqué. Bon, là, les gars, il est déjà 10 kills, zone 1. Hein. C'est un très très bon start. Par contre, il a oublié de se plaquer. Il lui manque une plaque. Bon, j'espère que ça va pas lui jouer des tours. Il l'avait entendu, bien joué. Il a toujours pas pensé à s'il va se plaquer. Même pas, il a toujours pas pensé à se plaquer. Il est traqué 3, il va aller chercher son colis. Alors cette fois-ci, il se prend ISO 45 et Razorback. Ok, bah c'est exactement ce que j'ai joué toute la journée hier en solo quatuor. Razorback très sous-coté. Je vous ferai une vidéo très prochainement dessus sur la chaîne secondaire pour vous montrer à quel point l'arme est bonne. Et l'arme est plaisante à jouer aussi, surtout. C'est vrai que des fois t'as des armes, elles sont fortes, mais t'as pas de plaisir à jouer. Style ISO M-Lock, c'était fort, mais il y avait aucun plaisir à jouer à ça. Là, Razorback, il y a un certain plaisir à jouer avec. Bon, là, il perd pas mal de temps depuis tout à l'heure. Hein. Il a pas trouvé grand monde. Il a une rotation compliquée. Il a la zone occupe. Plus, il a du monde dans son dos. Jouer avec Alert Max, bien sûr. Ouais, il va push avec le masque en or. Il a raison, c'est en vrai compliqué. Très bien joué. Là, petit smoke pour Ota. Par contre, alors ce mec a un gros problème avec les plaques. Hein. Il se plaque jamais. Hein. Et lui, sa Razorback, il a joué non pas avec un aim au PV4 comme moi, mais avec un viseur. Oh là, le tracking insane. Il a joué avec un viseur réflexe. Enfin, un viseur Halo, je sais même pas comment ça s'appelle dans le jeu. À sa gauche. Très bien joué. À sa droite. Je crois que j'ai bien entendu que lui là carrément. Là, il y a beaucoup de monde là. Il y a un mec à droite du muret, un mec dans l'église. 4 au fond. Oh. Oh my god, ce qu'il leur met. Ah, il va prendre le. Par contre, il a un problème avec les plaques. Hein. Ce mec ne veut pas se plaquer, les gars. Hein. Je vous jure, ce mec il veut pas se plaquer. Hein.
Allez, il m'a entendu, il s'est plaqué, il est déjà à 18 kills zone 2. 18 kills zone 2, mais écoutez, moi qui ai fait beaucoup de solo quatuor hier, eh bien je me rends compte qu'en fait 18 kills zone 2, c'est pas mal. Hein. Ça m'arrivait très souvent de les avoir. Moi je faisais pas 70 kills, hein, mais... Oh, attention. Oh, il a bien pris son temps pour le couteau de lancer. Alors quand tu prends autant ton temps sur un couteau de lancer, c'est que t'es pas stressé. Hein. Le poteau est concentré. Il sait qu'il n'y a pas de niveau en face. C'est vrai qu'il a réalisé énormément de records de kills sur Warzone 1. Je sais pas comment est-ce qu'il fait. Hein. Vous allez me dire, il joue sur VPN. J'ai envie de te dire comme 95% des streamers. Mais lui, il a un truc en plus. Je sais pas si c'est la région dans laquelle il habite, ses heures de jeu ou pas. Mais il met la barre très 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 haute à chaque fois. Bon, c'est un excellent joueur, ça n'enlève rien bien sûr. Même si pour moi, c'est pas le meilleur joueur du monde. Oh, oh là là, ça c'est joli ça. Il y a un mec derrière lui, petit muré. Un mec qui spawn. Oh, tracking très appuyé là avec la ISO 45 à cette distance. Alors là, vraiment, je vous le dis, au clavier souris avec une mire pareille sur l'arme, impossible de faire un tracking pareil. C'est impossible de voir le mec. En tout cas, il m'a motivé là. J'ai envie de mettre la. Oula, nice le tracking encore. Oh là là, waouh, waouh. Attends, remets ça au ralenti. J'ai même pas compris que le mec avait jump à cause de la mire. Le mec en face, il a un clan drag bizarre avec un corbeau comme Raven Software. Alors attention à pas mourir. Oh là là, oh là là, dommage. Est-ce qu'il y a part se réanimer? Alors, s'il arrive à se réanimer, c'est grandiose. Son masque, il va se casser. Aïe, 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 aïe. Oh là là, genre. Oh la dinguerie. Il va mettre sa smoke, il est pas stressé du tout. Hein. J'avoue, sa smoke a pas marché. Il y a un mec derrière lui à droite. Ouais. Oh là 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 là. Waouh. Oh la chatte de fou. Je vous l'ai dit les gars, pour faire un record, il faut de la réussite, il faut un petit peu de chance. Je sais qu'est-ce qui s'est passé chez lui là. Ça a sonné à la porte, il a dit oh chill, I can hear. Le poteau veut juste se sound. Oh là là, il a une chatte incroyable les gars. Oh là, sa place, je vais au shop, je prends deux drones et un masque à gaz. Ok. Prends bombe zone 3, ok. En tout cas, ça permet de savoir à peu près le niveau de la game, on va dire. Comme ça, je saurais si j'ai 20 kills zone 2, si je peux faire une grosse game ou pas. Oh là, il vise bien. Oh là là, il vise très très bien le salopard. Hein. Waouh! Très bon tracking là dans l'eau. Le mec se réanime. Incroyable. La gestion de recul et le tracking avec la ISO 45, c'est ouf. Ce qui est ouf, c'est qu'il a dit à Kensi. Ouais, il peut dire merci à l'Emassi sur ce coup-là, parce que putain, vraiment, impossible de voir la cible, mais lui, ça traque. Et lui, il a dit à Kensi. Alors là, il y a eu un radar dans l'eau, mais c'est un bug. Hein. C'est un bug, il n'y a personne normalement. Je sais pas comment ça se fait que ça se produit, ça. Ah, lui aussi, il a quelques lacunes de map. 4 kills apparemment, pour le moment. Il reste 1 minute de respawn et il a réussi à faire 70 kills. Par contre, il reste 50 mecs dans le lobby, c'est waouh, 50 mecs dans le lobby zone 3. Il n'y a eu quasiment aucun sim wipe. Droite. Le deuxième. Il snake un petit peu. Ah, il push ça comme du n'importe quoi. Hein. Ok, le mec c'était. Ah non. Il y a un troisième joueur qu'on entend arriver. Alors là, il a pas de plaque. Comment il va jouer là? Il a pas de plaque, mais il va quand même push hein, dans un escalier. Comment ça? Oh, oh là là. Ah, mais franchement, je sais pas comment il fait. Hein. Même sur la vidéo, on voit pas qu'il y a un deuxième mec avec le réticule. Hein, tellement c'est dégueulasse ce réticule. Oh, les joueurs manettes, vous avez de la chance hein, de pouvoir jouer avec des armes comme ça. Hein. Tu m'étonnes. Bon, là, il y a plus de réapparition. C'est-à-dire, s'il meurt, bon, il est pas mort de la game. S'il meurt, c'est terminé. Il n'y a plus de respawn. Il a 40 kills, pardon. Il a 40 kills, il manque 30 kills. Il manque 30 kills pour faire 70 kills. On est zone 4. Là, je pense qu'on va arriver sur un rythme qui devrait s'accélérer. Il y a calé le petit headshot dans le fight. Il a toujours pas de plaque. Il a même pas de masque. Il a pas de drone. Généralement, quand c'est comme ça, moi je suis toujours un peu perdu là quand il n'y a plus la résurgence. Parce qu'à ce moment-là, quand tu butes un mec au sol, t'as plus l'information sur ce teammate. Cette information qui est précieuse.
permet d'enchaîner de zinzin. Ah ouais, il push ça comme du n'importe quoi lui hein. Ah c'est vrai qu'il a besoin de plaques, il est obligé de descendre. Et il en aura pas tant que ça, il en aura juste eu 4 je crois. Oh là, il a pris la zip. Oh là là, il a pris la zip. Les deux mecs qui se collent, ça accroche les deux. 46 kills. Là niveau plaque, il est good. Oh là 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 là. Oh, c'est du poulet snobby hein. Oh. Très bon tracking, il reste appuyé malgré l'alerte maximale, il y a un mec à droite. Oh là 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 là. Ah ouais, la Razorback, c'est quelque chose. Hein. Je vous montre la classe très bientôt, mais je crois que je vais la changer. Hein. Ah putain, c'est n'importe quoi. Hein. Oh, ce qu'il leur a mis. Et il est agressif. Hein. Très agressif. Oh là 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 là, il prend pas une balle. C'est incroyable le lobby qu'il a eu. Oh là 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 là, le poulet. 54 kills. Bon, là, faut pas mourir. Là, il a fait un peu trop le héros. Il y a eu une réanimation derrière lui au shop. D'ailleurs, bon, on n'a pas trop fait gaffe avec le compteur de kills. Mais il y a un petit bug, en fait, dans cette partie. C'est un bug qui est dans le jeu, c'est pour ça que les World Series ont été reportés lors du stage 2. En fait, on sait pas trop comment, mais parfois le jeu t'ajoute des kills. Le jeu t'ajoute des kills, tu comprends pas trop comment. Et du coup, apparemment, Turect aurait eu 5 kills en plus qu'il a pas effectué dans la partie. Ce qui rend le record impossible à battre, limite. Oh là 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 là, le tracking, la petite smoke bien envoyée. Oh, le tracking avec la Razorback, c'est incroyable. Oh là 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 là, ce qu'il en met. Donc il a fait 70 kills, mais apparemment il aurait fait 65, ouais, 60 vers là. Faudrait regarder la vidéo 0.25 pour fixer nos yeux sur le compteur de kills, on va dire. Pour voir précisément quand est-ce qu'il y a le bug. Il a un tracking ce mec, c'est waouh, c'est incroyable. Même quand le mec passe derrière la voiture, il est en tracking linéaire, c'est dingue. Ah par contre là, quand il y a une smoke, il n'y a plus de shoot là. 64 kills mesdames et messieurs. Il y a un mec au-dessus de lui à droite je crois, il a pas entendu. Si, il a entendu. Je semble de mieux que sur mon propre jeu. Oh là là, mais cette arme, c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là, il enchaîne. Et il va passer à 67 kills. 68, pardon, je sais pas compter. Il est en 1v1, V1. Pour la 70, il est pas stressé. Il dit rien. Concentré. Ça gauche derby. Oh my god. Oh my god. Il y avait un mec tout proche, là. Moi, je l'ai entendu, hein. Oh. Ça se finit comme ça? Attends, replay. Oh là là! Oh là là, replay, replay 0.25 s'il vous plaît. Oh, oh! 70 kills sur ça! Et il finit la vidéo là-dessus sans réaction. Oh là là, le ouf, 20 000 dégâts. Alors là, j'en ai déjà vu des fins de game, mais des comme ça. Oh là là, c'est incroyable ce qu'il nous a fait, les gars. Bien évidemment, sa chaîne, je vous invite à aller vous abonner, c'est Turect. Son kick, si jamais vous avez kick, n'hésitez pas à me follow là-bas également. Vraiment, il mérite, les gars. Il mérite. Et vous savez quoi? Il a encore réalisé un autre record du monde, mais cette fois-ci en duo quatuor. Quasiment réalisé 100 kills. Quasiment, il était vraiment pas loin. Si jamais vous avez kiffé, je me ferai un plaisir de vous refaire une vidéo réaction. Là, vraiment, il a mis la barre très très haute. C'était incroyable. Surtout le couteau à la fin, vraiment n'importe quoi. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner à la vidéo si ça vous a plu. Vous me direz ce que vous avez pensé de son record en commentaire. Sur ce, moi les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. C'était Punkill. Ciao tout le monde.